Bonjour à tous et à toutes, ici Mister Chitalisman, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Inazuma Eleven Go Chronostone. Aujourd'hui, notre objectif va être d'avoir Test 4. Bon, je l'ai déjà depuis longtemps, comme vous pouvez le voir là, je l'ai déjà. Et vous allez me dire, ouais, bah, pourquoi tu nous fais cette vidéo pour l'avoir si tu l'as déjà? Bah parce qu'en fait, pour l'avoir, il faut débloquer les 50 maillots. Il faut en débloquer un certain nombre, je sais plus, je crois que c'est 50. Donc je vais vous montrer comment avoir tous les maillots, tous. Dans cette vidéo, vous aurez tous les maillots du jeu. Je comprends pas pourquoi là c'est inversé. C'est Beluga le gardien, et pas le contraire. Ah là là, c'est parti. D'abord dans le collège Raymond, vous allez ici. Et puis vous allez affronter ce gars là-bas. Alors, quand vous l'affrontez et que vous le battez, vous avez un certain pourcentage de chance de gagner le maillot de son petit groupe qui est, si je me trompe pas, attendez, c'est lequel déjà? Genre, je l'ai pas. What is the problemo? I am not the truc là? Ouais, bon, bah excusez-moi, le maillot, je l'ai pas débloqué. Ouais, je les ai pas tous, hein, mais je sais où c'est qu'on les a tous. Donc, ouais, parce qu'il y en a là, il y en a quelques-uns que j'ai pas parce que j'ai la flemme. Donc, c'est en affrontant eux que vous en débloquez un. Hein. Vous pouvez le voir en petit, je vais essayer de zoomer un peu. Je vais essayer en lui parlant. Ouais, on voit pas bien, c'est noir avec. Bah, c'est avec une étoile devant et derrière, mais bref. C'est ici que vous. C'est en affrontant celui-là que vous avez un maillot. Toujours à Raymond, vous pouvez débloquer ce maillot là, ici, en affrontant ces personnes là. Alors vous n'êtes pas obligé de les gagner à chaque fois les maillots, c'est avec un petit pourcentage de chance. Ensuite vous remontez, toujours dans le collège Raymond, la zone là bas. Ce petit là vous donne un autre maillot, un troisième. Le prochain dans la rue commerçante, il se situe ici. Contre lui, vous avez un nouveau maillot. Ensuite, il va falloir monter en haut de la rue commerçante. Vous continuez de monter. Vous allez tout en haut. Et vous allez même jusque là-bas. Vous allez faire le défi de ce joueur-là. Le prochain est ici. Non, excusez-moi, je me suis trompé. Je voulais dire celui-là. C'est toujours dans Raymond. Pour l'instant, on est dans ce Raymond. C'est sur cette map ici. Ensuite, le prochain, c'est à la tour. Vous avez qu'à affronter la fille qui est là-bas. Elle vous donnera son maillot également. Maintenant, on va aller chez Ricardo, dans son manoir, ici, pour avoir un nouveau maillot. On passe au maillot du stade de la route du Sacre. Le premier maillot de cette zone, c'est ce joueur-là qui va vous la donner. Et le deuxième, c'est le petit qui est là-bas. Maintenant, on passe à l'île du sanctuaire. Vous pouvez débloquer un maillot ici, à l'entrée du sanctuaire. Le prochain, toujours au sanctuaire, se trouve ici. On va maintenant se rendre dans la rue commerçante d'Inazuma, au Japon. Enfin, oui, une logique. Dans le passé. Inazuma du passé. Et ici, vous avez un défi pour gagner un maillot. Et il y en a un deuxième pour gagner un maillot qui est ici. Là. Maintenant, on va aller dans la province d'Owari. On va aller vers le gang du cerf blanc. Et vous allez devoir affronter l'équipe qui se trouve ici, là. Pour gagner un nouveau maillot. Puis il y en a un autre au parc. Plus précisément, en affrontant la personne qui est là-bas. On passe à la France. À l'extérieur du petit village, vous pouvez en gagner un ici, là, avec le sort de chevalier. Toujours sur la même map. Excusez-moi pour la qualité, je fais ce que je peux. Vous avez à aller
Tout en bas, tout en bas, tout en bas. À gauche. Là-haut. Donc sur la map, c'est ici. Et le premier, il était là. Le prochain est ici. À cet endroit-là. Pour avoir un nouveau maillot. On passe à la Chine. Le prochain se trouve ici. Contre elle. À cet endroit-là. À la route du dragon, fin. Toujours au même endroit. Route du dragon, fin. Vous pouvez gagner notre maillot. Ici. Contre elle. Toujours sur la route du dragon fin, vous avez le dernier ici. En fait, vous avez un maillot là, là et là. Les trois défis vous donneront un maillot, les trois différents. Ensuite à Kyoto. Le premier est ici, en ville. Le deuxième, c'est lui, au QG, sur la route de l'automne. Au QG de la... du Shinsengumi. On va se rendre à Okinawa. On va aller affronter ce gars. Ce mec, il va nous donner un autre maillot. Il y a aussi ce type là qui donne un maillot qui est vraiment cool. On va aller à l'ère des dinosaures. On va aller faire ce défi là-bas. Au cas où vous voyez pas bien sur la map où c'est ici. Près de l'éclair. On affronta ce type là-bas. Essayer de mieux gérer la qualité là qui est bof. Putain. Pourquoi mon téléphone fait une qualité de merde? Bref, on voit pas bien qui c'est, je suis désolé. Vous voyez à peu près où c'est sur la map. Putain, mais mets-toi une qualité bien! Espèce de triso! Je parle à mon téléphone. Sur cette map, à côté du Triceratops, vous pouvez en gagner un ici. On se trouve, si vous regardez bien, ici là. Là. Ce mec là nous fait gagner un autre maillot. Sur cette map là. Dans le ravin abrupt. Près de chez Sor. Le prochain c'est celui là que vous trouvez à cet endroit de la map. Dans la forêt primaire. Dans la grotte de la désolation. Ici. À cet endroit là de la map. Gros zoom bien dégueulasse. Vous pouvez gagner un autre maillot. Maintenant on est dans le futur. Centrado. Au Football Museum, à l'entrée, il y a cette fille-là. Allez lui parler pour gagner un nouveau maillot. Puis, vous allez au centre-ville. Au centre-ville, vous avancez, et vous allez parler à lui. Ce type vous fait gagner un nouveau maillot. Vous reconnaissez cet endroit, la forêt distordue. Vous allez parler à lui, là, pour gagner un nouveau maillot. Dans la partie jaunâtre et morte de la prairie hétéroclite, allez parler à lui. Il vous fera gagner un nouveau maillot. Les amis, nous sommes au stade 0. Au sanctuaire, on va aller parler à lui. Lui qui fait des matchs amicaux. Alors, tous les matchs ici... Chaque match peut vous faire dropper un maillot différent. Pour la BD Pirate, vous gagnez le maillot de la BD Pirate. Pour la Royal Academy, maillot de la Royal Academy. Le maillot de la Foi Toute-Puissante, le maillot des Chevaliers Noirs, de la Voie Lactée, de l'Âge d'Or, du Collège des Surdoués, des KFT, des Mers Lunaires, Alpin, Kirkwood, Mirage, Universel. De l'Alliance des Dragons, du Dragon, le Mont Olympe et le maillot de Zéro. Voilà, sur cette route, vous gagnez tous les maillots. Et si vous voulez quelques petites astuces, vous avez l'esprit guerrier tout autour blanche ici. Triangle double Z là. Bon, celui-là, c'est que 4500 points d'amitié, c'est pas exceptionnel. Mais ce qui est intéressant ici, c'est surtout les maillots. Il y a beaucoup de maillots à gagner sur tous les matchs amicaux de cet endroit. Et ben voilà, c'est bon. On est censé avoir maintenant tous les maillots. Alors je vous explique, vous les aurez pas tous du premier coup. Il faudra peut-être des fois faire 5-6 fois le même combat pour le gagner, le maillot. Parce que c'est au drop, c'est avec de la chance. Mais c'est des petits défis, c'est pas long. Ou des matchs, ça c'est un peu plus long.
En tout cas, bonne chance. Maintenant, j'espère que cette astuce vous aura servi, vous aura été utile. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. C'était Mr. Chitalisman. Désolé pour la qualité de cette vidéo. J'ai fait comme je pouvais parce que ces temps-ci, j'ai beaucoup plus de mal à tourner des vidéos à cause de mon emploi du temps et de ma vie personnelle. J'ai plusieurs facteurs qui me font que j'ai plus de mal à faire mes vidéos. Mais j'essaye toujours d'en faire quelques-unes pour vous faire plaisir et pour vous aider. Si vous avez des idées de vidéos ou de choses à faire en vidéo sur Inazuma, n'hésitez pas. Parce que je prends toutes les idées, tout ce qui vous fait plaisir, voilà. C'était Mr. Chitalisman, à bientôt!